Bonjour à tous, on termine la semaine avec Mo, la nouvelle marque de Seat, mais également avec BMW qui débute la production du IX3 et met fin à celle de la I8. Avant cela, on connaît enfin les prix de la Volkswagen ID3. Mieux vaut tard que jamais. Près de 9 mois après sa présentation officielle, la Volkswagen ID3 est enfin disponible à la commande. Cela concerne d'abord les clients qui ont pré réservé dès le printemps 2019 l'un des 30 000 exemplaires de la série spéciale de lancement baptisée First. Celle-ci est donc facturée à partir de 39 990 euros, bonus écologique de 7 000 euros non déduit. À ce tarif, elle dispose d'un moteur électrique de 204 chevaux et d'une autonomie d'environ 420 km. Elle profite aussi d'un cockpit digital, de sièges avant chauffants, d'un GPS et d'un régulateur de vitesse adaptatif. En tout, 4 coloris et 3 finitions figurent au catalogue. Les prix grimpent jusqu'à 49 990 euros en haut de gamme avec dans ce cas un petit bonus écologique de seulement 3000 euros. Les livraisons commenceront en septembre. Par la suite, Volkswagen étoffera son offre avec notamment deux autres packs de batterie pour une autonomie allant de 330 à 550 km. Seat vient de lancer une nouvelle marque baptisée Mo. Celle-ci est dans l'air du temps puisqu'elle est dédiée à la mobilité urbaine zéro émission. Deux produits composent déjà la gamme, le premier est l'e-scooter 125, un de roues électrique qui associe un moteur de 9 kW intégré dans la roue arrière à une batterie amovible de 5,6 kWh. Le tout offre une autonomie de 125 km, une vitesse maximale de 95 kmh et un 0 à 50 kmh en seulement 3 ,9 secondes 9. Ce scooter dispose en outre de trois modes de conduite et d'une marche arrière pour faciliter les manœuvres. Le second produit proposé par MO est l'Ikig Scooter 65, une trottinette électrique d'une puissance nominale de 350 watts qui peut atteindre la vitesse maximale de 20 km/h tout en affichant une autonomie de 65 km. Ces deux engins vont d'abord envahir les rues de Barcelone en Espagne avant de s'attaquer à d'autres marchés internationaux. Leur arrivée en France n'a pas encore été confirmée. Pour finir, on file chez BMW qui vient de mettre un terme à la carrière de la i8. Le constructeur a en effet arrêté la production de son coupé hybride rechargeable. Le dernier exemplaire est sorti mi-juin de l'usine de Leipzig en Allemagne. Il s'agissait d'un modèle Roadster de couleur Portimao Blue. Lancée en 2014, la i8 a été le premier véhicule hybride rechargeable de série de la firme bavaroise. En 6 ans de carrière, elle s'est écoulée à quelque 20 500 exemplaires. Un autre modèle la remplacera bientôt dans la gamme i e dédiée aux véhicules électrifiés. Il ne s'agira toutefois pas d'un nouveau coupé sportif mais d'un SUV, le iX3, version 100% électrique du X3. 200 exemplaires de pré-production ont déjà été assemblés en Chine et BMW vient de terminer les tests requis pour son homologation. Le lancement du véhicule, animé par 286 chevaux et annonçant environ 440 km d'autonomie, est prévu d'ici la fin de l'année. Salut!